Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons faire 6 puzzles d'animaux. Et le premier qu'on va faire, c'est une abeille. Et c'est écrit en anglais, bee. Bee qui veut dire abeille. Allez, on commence par son corps à rayures, ses ailes et sa tête. Et voilà, notre premier animal est prêt. On continue. Là, nous avons une coccinelle, a ladybug en anglais. On va mettre son corps rouge à pois noirs et aussi bleu à rayures et ses gros yeux noirs. Et voilà, notre coccinelle est prête. Le prochain, ce sera une tortue de couleur verte, a turtle en anglais. Allez, on lui crée sa carapace. Voilà, et maintenant, il ne reste plus que sa tête. Et notre tortue est elle aussi prête. Et sa carapace va bien la protéger. Le prochain, c'est une étoile de mer. Allez, c'est parti. On va commencer par ses bras de couleur orange. Ensuite, on va lui mettre sa tête et elle a une tête rouge et elle a 5 bras en tout. Et voilà, et en anglais, c'est un starfish, une étoile de mer. On va rester dans les animaux aquatiques. Le prochain, c'est un crabe, a crab. Et on va d'abord commencer par toutes ses pinces. Ensuite, on met son corps. Il a un grand sourire et ses yeux. Et le crabe est prêt à aller faire un petit tour sur la plage. Et le dernier animal, c'est un hibou et pas une chouette. Et je vais vous dire dans quelques instants pourquoi. Allez, on lui fait ses pattes, son corps, ses ailes et sa tête. Et vous voyez qu'il a 2 aigrettes, c'est-à-dire des plumes sur la tête. Et c'est pour ça que c'est un hibou et pas une chouette. A starfish, une étoile de mer. A bee, une abeille. A ladybug, une coccinelle. A crab, un crabe. An owl, un hibou. A turtle, une tortue. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.